Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous. Ravi de vous recevoir. Bonjour. Bonjour ici. Bonjour là-bas. Hello, ici en bas. Bien, ravi de vous recevoir, vous qui êtes tranquillement installé à la maison. Nous allons immédiatement recevoir celle qui va passer. Nous sommes vendredi, vous le savez, donc évidemment, le vendredi, c'est un ni oui ni non. Et nous allons recevoir immédiatement celle que vous connaissez tous. Évidemment, vous connaissez tous Maggie. Voici Rosie Vart. Accueil. Mesdames, messieurs, un accueil extrêmement chaleureux. Voici Rosie Vart, mesdames, messieurs. Il y a du monde, hein. Comment allez-vous? N'oubliez pas le micro. Je vais très, très bien et je vois qu'il y a vraiment beaucoup de monde. J'imaginais pas que c'était aussi plein, ben si, aussi si, complet. Si, ils viennent nous voir. C'est impressionnant. Ah, ouais, bah. On va aller s'installer, Rosie. Aujourd'hui, il n'y a pas d'énigme, il y a ni oui ni non. Vous m'aiderez évidemment en fin d'émission à le faire. Nous jouerons avec la gendarmerie, comme chaque vendredi. Ah bon? Oui, oui. Et nous allons rejoindre... Avec moi, ils risquent de gagner, hein. Ah bah, tant mieux, parce qu'il y a un beau filet garni. Bernard Bilis, c'est un exceptionnel prestidigitateur, magicien, utéphreux, étant fait ses malassures. Et Patrice Carmou, c'est parti. Attention. Patrice. Merci. Attention, asseyez-vous vite. Asseyez-vous vite. On démarre. On démarre. Hop. Allez. Vous avez une petite fourrette pour mettre votre micro ici. Bernard Bilis, c'est lui. Patrice Carmou, c'est ici. Avez-vous déjà vous-même tenté de faire des tours? Jamais. Manipulation, prestidigitation? Je suis trop maladroite. Bernard Bélis, de quoi s'agit-il aujourd'hui? Un petit pari. Un petit pari. Un petit pari, voilà. Le pari consiste... J'ai ma poche, oui. Oui, je voulais... Mais j'en aurais peut-être. Bah, vous me l'avez demandé. Ah. Vous pouvez le laisser là, si vous voulez. Oui, oui. Si, oui. Alors, Bernard, vous en prie. Oui, oui. Le pari consiste à essayer, en les laissant dans le même sens, c'est-à-dire comme ceci, essayer de faire tenir les deux dés en équilibre sur le troisième, comme ceci, sans qu'ils tombent. C'est possible. Il paraît. Mais pourquoi vous n'y arrivez pas là? Parce que je vous montrerai tout à l'heure si vous êtes sage. Rosie? Non, attendez, j'ai les pas bien compris. Les deux dés sur un seul. Voilà, les deux dés. Oui. Les deux dés en équilibre. Sur un seul. Sur un seul. Sur un seul. Oh, que j'aimerais difficile. Réussir. Ça y est. Non, non, mais en les laissant. Attends, ouais. il faut les laisser. Il faut les laisser. Il faut les laisser droit. Il faut les laisser droit. Non, il faut les laisser dans le même sens. Ah bah oui, mais enfin... Aligné. Il faut les laisser aligner. Enfin, elle a gagné, je suis désolé. C'était l'œuf de Christophe Colomb, moi, voilà. Bah oui, mais ah alors, oui. Sinon, comment? Bah Christophe, allez-y. Bah non, c'est pas... Je vais pas y arriver. Ouais. Si vous y... Enfin, je remarque s'il y arrive. Non, mais il a perdu, Bernard, là. Non, il va y arriver. Ah, attention. Ah, mais non, mais pas droit, on n'a pas droit que ce soit comme ça, je sais pas. Faites voir. Il faut les frotter. Regardez bien, comme ceci. Ils tiennent. Mais pourquoi ils tiennent? À cause des points. Ouais. C'est les voilà. Allez-y. Ah, il l'a mouillé. Voilà, c'est ça le trucage, tout simplement. Il suffit de mettre un petit peu de salive sur le dé. C'est sale. Ce qui est sympa, au moment d'essayer. Et à ce moment-là, les dés tiennent. Ah, et c'est comme ça qu'on peut gagner un pari. Les détiennent. Et voilà. J'ai cru que c'était le poids. Non, non. Le poids des poids. Pas du tout, non, non, pas du tout. C'est juste simplement en mettant un petit peu de salive sur le dé. Ah, oui, d'accord. Que les dés font ventouse. Très bien. Voilà. Continuez à nous envoyer des messieurs et madame, n'hésitez pas, parce qu'on en a reçu beaucoup, hein, Patrice. Oui. Et donc, bon, le vendredi, vous savez que c'est un ni oui ni non, mais sinon, les autres jours, évidemment. On en fera. On en fera, donc n'hésitez surtout pas. Vous aimez bien ce jeu, monsieur et madame Chose, ont un fils ou... Ah oui, mais bon, enfin, j'essaierai. Bon, alors, c'est ça. Je vais vous demander de choisir une carte, celle que vous voulez. Ah oui, c'est bien. Très bien. Ah oui, mais non. Vous la montrez à la caméra. Celle-ci. Je ne regarde pas. Non, non, encore. Voilà, on l'a vu. Super. Bon. Vous me dites stop quand vous voulez. Stop quand vous stop. Voulez. Stop. Vous la remettez. Formidable. Maintenant, on va demander à Christophe de bien vouloir prendre une carte également. Oui. Voilà, vous la montrez à la caméra. C'est rigolo. OK. La même. Presque. 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 Et en couleur. Vous la remettez? Oui. Très bien, ici. OK. Ici, là. Oui. Voilà. Ça va, là? Celle-là, oui. Et il fait attention. C'est celle-là, là. C'est celle-là? Oui. Ouais. Maintenant, à Patrice. Encore? Ah bah oui. Il n'y a pas de raison. Qu'est-ce qui se passerait s'il prenait la... Il ne peut pas prendre la même. Allez. Qu'est-ce que c'est votre... Non, regarde, Patrice. Ah, pas là. La même. Même couleur? Non. Non, non. On la remet également? Très bien. Dans le milieu du jeu. Pour retrouver vos cartes, nous allons avoir besoin de deux objets. Le verre et le foulard. Et le foulard. Alors on pose le verre
à cheval sur les cartes. Voilà. Et maintenant... le foulard sur le vert qui est à cheval sur les cartes. Très bien. Maintenant, regardez bien. Si on fait... Vous êtes déjà venu ? Ah, excusez-moi. Si on fait... Votre carte va remonter sur le dessus du jeu. Et non seulement elle va remonter sur le dessus du jeu, mais elle va se retourner face en l'air. Bien six joué. De cœur, c'est ça ? Oui, bien joué. Ça. Bien joué. Maintenant, regardez bien. On replace comme ceci, et nous allons essayer de trouver la carte de Christophe. Quelle était votre carte, Christophe ? 7 de cœur. Ah non, c'est pas grave, on fait... Oh, oh, très joli. Très joli. Il se débrouille. Il reste la carte de Patrice. Il a un gros pouvoir. Oui. Très gros pouvoir. La carte de Patrice, on va simplement refermer le jeu de cartes. Je mets le verre de côté. Dans le foulard, comme ceci, on encercle le jeu. Et regardez bien, si on fait... Une carte traverse le jeu, le foulard. Quelle carte avez-vous choisi, Patrice ? 6 de carreau, je crois. Ta-da-da-da-da. Ouais, rien à dire. Bien wesh, bien wesh. Encore ? Si vous voulez. Un dernier. Alors, pour la route. J'ai ici une bouteille. Non. Plastique. On va enlever tout ça. Et un petit ballon. On met le ballon dans la bouteille, comme ceci. Et c'est un petit exercice de physique amusante. J'espère que je vais réussir à faire ça. Un petit coup de main. Ça va aller. Et là, on va souffler dans la boubou. Voilà, regardez bien. Si on souffle dans la bouteille, dans le ballon, il se dégonfle après le ballon, dès qu'on relâche. Bien sûr. Regardez bien. Et on peut regarder l'intérieur du ballon. On peut mettre un stylo, rien de bouche. C'est très chic. Et pourtant, si on fait... Ah. Thank you. Très joli. Très joli. Ah, vous me le montrerez à moi, celui-là ? Oui, si vous êtes gentil. Si je suis gentil, je serai très gentil. Merci beaucoup, Bernard. Merci. Encore un petit. Oui. Ah, bah, si vous voulez, on va faire un petit. Vous êtes sûr que vous n'avez pas sous la main ? Oui, c'est la fête aujourd'hui. Attendez, bougez pas. Vous voulez un petit... Un petit bout. Alors, excusez-moi, mais on va vous mettre un petit peu à contribution. On va voir si vous savez le faire. Mais il faut le faire tous ensemble. Ouais. Alors, à trois, vous allez faire... Alors, un, deux, trois. Bah, t'as un petit peu brouillon, hein, ouais. Ça. Hein. Si jamais il vous demande votre aide, il faudra être un peu plus réglé. On va essayer, musique. Non, pas... Non. Avec la langue... Ah, ça, les filles, ça les énerve tout de suite. Hein. Allons-y. Ça s'entraîne. Regardez bien, donc deux, avec deux, les deux valets noirs, d'accord ? Le valet de trèfle et le valet de... Pardon. De pique. Le pique. Pique hein, d'accord ? Trèfle et pique. Ok ? Regardez, on va les mettre ici. Je vais vous demander... Deux valets de pique. Non, deux valets de pique et deux valets de trèfle. Je veux dire, je passe les cartes comme ceci, vous me dites stop, quand vous voulez, allez-y. Quand vous voulez. Ça ? Quatre de cœur, d'accord ? Oui. Vous vous souviendrez bien, le quatre de cœur, on va le mettre entre les deux valets. Oh là là. Comme ça. Pas déjà fait, ça ? Non. Regardez bien. Donc, vous avez les trois cartes. Regardez bien. Si on fait bien. Et tous ensemble. Ah, mais excusez-moi, il y a la fin. Alors, on va le faire ensemble, vous êtes gentils. On va faire. Regardez, on va faire 1, 2, 3. Ça va faire 1, 2, 3. Alors, attention. 1, 2, 3. Merci. Et là, la carte, le 4 de cœur, a disparu. Il ne reste plus que les deux valets. Ah ben bravo les gars, vous avez été très forts, applaudissements. Vous avez fait disparaître les gars de cœur. Où elle est ? On m'en regardait ailleurs, évidemment. On regardait en haut, nous. Et si on fait... À ce moment-là, il y a une carte qui est revenue dans le milieu du jeu à l'envers, le quart de cœur. Applaudissements, Bernard Bélis. Je propose que pour le faire disparaître... Pour faire disparaître Bernard Bélis, vous allez faire... Et ça va marcher, attention. 1, 2, 3. Et regardez, il a disparu, mesdames, messieurs. La publicité, on se retrouve tout de suite après. A tout de suite, merci beaucoup avec Rosie Bart, Patrice et tout le team. Merci. Allez, debout. Mesdames, messieurs, nous voici de retour au centre de la maison de la radio où une ambiance
chaude et à couper au couteau. Oui. Et ici, Rosie, permettez-nous de vous présenter avec Patrice Haziel. C'est votre nom d'ange. Oui. Est-ce qu'on peut dire non, votre... Non, c'est mon nom de plume, enfin, oui. Oui, pardonnez-moi. Oui, d'accord, d'accord. Oui, c'est le nom d'un ange, en tout cas. J'ai un peu fait l'amalgame. François Bernard... Bernard Termes. Vous êtes catalan, monsieur. Vous catalan, êtes ancien oui. professeur d'université. Oui. Et ce soir, Patrice, nous allons parler plus particulièrement... Des anges gardiens. Oui. Parce que non seulement les anges gardiens existent, ça, on le savait un peu. Doute, pensez-vous que ça existe déjà? Oh oui, je veux le croire, en tout cas. Hein. Ah. Avez-vous déjà eu le sentiment que oui, vous aviez un ange gardien? Oui. Sérieusement? Non, mais sérieusement. Dans les circonstances... Non, je ne l'ai pas senti, mais je me sens protégée, donc c'est mon ange gardien qui me protège. Vous n'avez pas senti quelque chose? Vous le voyez? Oui, oui. Vous voyez mon ange? Vous sentez que j'en ai un? Oui, on en parlera. Ah, oui. C'est ça. Mais qu'est-ce qui m'a et c'est mon vrai. Coca? C'était ça, alors. C'est l'ange gardien. Ouais. C'est vrai. Chacun a un ange gardien. C'est sûr. Non seulement. Sûr. Sûr. Mais qui travaille plus ou moins bien. Est-ce qu'il y a des bons et de mauvais anges gardiens? Non, tous sont bons. Oui, à partir du moment où ils sont gardiens, ils sont l'ange gardien vous donne un surplus de volonté. C'est ça. Enfin, pour vous et pour Christophe de Chavannes, l'ange gardien, disons, vous faites déjà de l'ange gardien, comme M. Jourdain faisait la prose, si j'ose dire. L'ange gardien donne un surplus de volonté. Oui. Ah ben volonté. Alors, c'est-à-dire, vous demandez de l'argent pour acheter un appartement à une banque, il vous dit non. Alors, vous allez dans une deuxième banque. L'ange gardien vous donne un surplus de que vous déclenchez. Non, troisième banque, plus de possibilités. Ah oui, d'accord. Et ainsi de suite, jusqu'à parce vous arrivez, vous devenez... Christophe alors, de Chavannes, vous devenez... Mais est-ce que l'ange gardien existe dans des circonstances où tout d'un coup, on va risquer quelque chose et l'ange gardien dit non, tu ne prends pas ce train-là et boum, le train a un accident ou des bien choses sûr. Plus... Il y a des exemples. Oui, il paraît que oui. Mais moi, je préfère le voir dans le côté positif. Positif et volontaire. Et volontaire. Plus on est volontaire, a priori, plus voilà. on a un ange gardien qui bosse. Oui, mais vous pouvez prendre un raccourci. Et c'est ça que je vois. Les raccourcis, c'est la prière, ou l'invocation. Vous vous adressez à lui. Vous, c'est l'ange Humabel. C'est un ange déjà c'est solaire. C'est qui? Humabel. Humabel. Humabel s'appelle votre ange. Humabel, votre fils. Mais, c'est votre ange gardien. Humabel. Que c'est un ange extraordinaire, c'est le 61, c'est un ange archange solaire. Mais vous n'en avez pas besoin, parce que vous en avez déjà beaucoup. Oui. Vous avez suffisamment de volonté. Je peux prêter à quelqu'un, alors? Les énergies. C'est des énergies qui sont destinées à vous. Par contre, vous pouvez, à travers cet ange, demander autre chose. Lui, il est un ange solaire dont la renommée est un surplus de volonté. Une nouvelle voiture. Par exemple, une nouvelle voiture. Alors, l'ange des voitures, si vous voulez, il peut vous faciliter de trouver vite la voiture que vous cherchez. Parce que j'ai envie de lui demander de faire de la pièce que je joue à triomphe. Pour l'argent, pour l'intelligence. Monsieur, la source bleue, qui est la pièce dont on va parler tout à l'heure, qui est la pièce que joue Rosie Vart, est-ce qu'on peut demander à mon ange gardien ou au mien, s'il peut donner un coup de main, ce serait avec plaisir. Je l'accepte, oui. Et bien, d'en faire un triomphe, par exemple, c'est déjà un gros succès, mais que ça devienne un grand triomphe. Il faut voir à quelle date. Elle est commencée pour voir quel est l'ange gardien, ou bien vous vous adressez à l'ange gardien de la renommée, que c'est Humabel. Ah, c'est précisément. Le mien. Oh, c'est prête, le même. Monsieur Christophe de Chavannes est le mien. Alors, oui. Oh, ben alors ça va. Il y en a plusieurs, dont il y en a 72 qui occupent l'espace. Ah, Humabel est multicasquette, quand même, grosso modo. Parce qu'il se dédouble. Multicas. Tous ceux qui sont nés du 20 au 25. Du mois de janvier, comme vous-même. Ah, c'est pour ça que vous dites ça. Oui, évidemment. Quel est votre je connais tout. 22 novembre. 22 novembre. Je vous dis tout de suite la vôtre, alors. Hein. Oui, 22 novembre. Parce qu'Aziel a écrit, évidemment, De Gaulle est né ce jour-là. Toute une série de livres sur les anges. Donc, le répertoire des anges, ça c'est bien, parce qu'on sait quels sont les anges de l'argent, du bonheur, de l'amour. Parfait. Les anges planétaires. Tout ça. Oui. Le pouvoir des archanges. Il s'appelle Mihaël, c'est un ange solaire. Mihaël. D'ailleurs, en vous regardant, on voit. Comment il s'appelle Mihaël? Mihaël. Des regardez, angels. Los qu'est-ce que nous voyons là? Voilà Mihaël, justement. Mihaël, c'est lui. Avec un petit peu de c'est notre ange. Moi, où il est, où il là, là, regardez. D'après Giotto, hein, ça. Ça, c'est Mihaël. Ah, c'est Mihaël. Oh, je vois mal. Mihaël, d'après Giotto. Il est derrière un. Ah, oui, c'est ça. Il est couché? Non, il soulève Saint-Pierre. Ça, c'est qui? Il soulève Saint-Pierre. Ça, c'est l'Annonciation. C'est l'Annonciation, oui. De Vinci. Ouais. Ce qui annonce, c'est Gabriel. C'est un archange. C'est, Gabriel, voilà. C'est des anges supérieurs. Alors, je viens de non, non, mais Aziel, il y a 72 anges. Oui. Et parmi les 72 anges, il y a combien d'archanges? 3? Non, 10. 10 archanges. Alors, vous avez parlé des incantations. Quelles sont-elles? Quel type d'incantation faut-il faire?
C'est l'invocation simplement. Alors, l'invocation, pardonnez-moi, c'est... Non, l'incantation aussi. Oui. Mais c'est pour les archanges. Ah, donc on l'invocation, par le c'est procès. Simplement... Il ne faut pas acheter mes livres, si vous voulez. Ça se vend déjà on assez peut, bien. On peut le faire. Oui. Au cas où. Oui, bon, non, au pas... cas où. Mais en prononçant le nom de l'ange, la Kabbale dit en trois émissions de voix, Uma, Umabel. Vous prononcez le nom de l'ange. Et puis, vous vous adressez à lui. Vous n'avez pas besoin, vous, parce que vous avez assez de puissance, assez de volonté. Mais vous faites l'invocation de l'ange sérieusement ou en rigolant, il s'en fout. Hein. Et après, vous lui parlez comme à un ami. Comme il n'est pas susceptible. Alors, vous, vous voyez Est-ce qu'il répond? Toujours est obligé de répondre, parce que là-haut, les gros sont obligés de servir les petits. Ah. Alors, il est obligé de répondre. Mais... en rapport direct avec votre volonté, avec ce que vous avez voulu lui dire. Vous avez déjà vu votre ange? Comment il... Oui, mais... Vous voyez, souvent. Moi, je peux le voir et tout le monde peut le voir. Là, vous le voyez, là. Il suffit de le vouloir. Oui, il suffit de vouloir. Alors, comment se matérialise-t-il pour qu'on ne fasse pas d'erreur? Mais il ne se matérialise pas. Vous devez aller, vous, au monde astral, oui, comme l'on dit. Je vais dans le monde astral. Voyez, là, et il vous parle. Il y a la vision hallucinatoire que dis-je... j'ai vu mon ange, je vois mon ange là, et je l'ai rencontré, c'est hallucinatoire. Quoique vrai, hein. Il y a la vision onirique, vous le voyez en rêve, il vous parle, vous dites, je ne comprends pas mes rêves. Et puis il y a la vision intuitive, où vous dites, vu, j'ai compris, c'est moi, ça. J'ai la vision intuitive, mais j'ai les deux autres aussi, si vous voulez. Alors, on va prendre une session des téléspectateurs. Très attentif, voilà, il y a des téléspectateurs qui vont vous poser des questions sur leur ange gardien. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, votre prénom? Richard. Richard. Voilà, alors... Oui, bonsoir Richard. Bonsoir. Bonsoir. Alors, en fait, j'ai vécu une expérience surnaturelle et j'ai vu une femme et j'ai ressenti une sensation de bien-être. En principe, ça arrive, oui. Oui, mais vraiment quelque chose, une protection, quelque chose de bénéfique. Oui. Et en fait... Oui. Elle est où était-ce? En fait, je faisais une sieste en après-midi et j'ai senti que... une présence, tout d'un coup, quelque chose, je me suis réveillé. Elle était là? Et j'ai vu une femme, justement, et derrière, il y avait une lumière, en fait. Ah. Et j'ai vu sa silhouette. Et en fait, elle avait des longs cheveux noirs. Ah, et elle est partie? Et ensuite, après, oui, elle m'a abordé. Et en fait, elle est partie, elle a fermé la porte. Et j'ai entendu les pas s'en aller. Et il ne s'est rien passé entre vous? Non, j'ai justement rien passé, j'ai juste senti... Et avant la sieste, truc comme ça, non. Non, rien du tout. Rien du tout. Alors, monsieur. Alors, oui, à chaque fois quand quelle est la question? Est-ce que c'est un ange gardien, c'est ça, non? Est-ce que c'est un ange gardien, c'est ça que vous voulez poser comme question? Voilà, en fait, ma question, c'était, je voulais savoir si c'est un ange gardien. Pour moi, c'est un ange gardien. Et en fait, je voulais le confirmer, je voulais savoir si elle était venue, en fait, pour me donner un message, me faire un message ou quelque chose comme ça. Et peut-être savoir si elle va revenir le cas échéant. Voilà. Pourquoi? Par exemple. Et des fois que ce soit l'été, qu'elle soit un peu plus dénudée, on ne serait pas opposé. Si elle était habillée ou déshabillée. Ah, vous n'avez pas vu? Non. J'ai vu juste la silhouette. Vas-y, elle. Et des cheveux noirs. Oui. Et, tout, et derrière, il y avait une lumière blanche. Vous avez un petit accent ou je me trompe, monsieur? Pardon? Vous avez un petit accent? Oui, un petit accent. De Suisse. Ah, de Suisse, vous êtes Suisse. Ah, d'accord. Je plaisante. Oui, tous les rêves sont prémonitoires non, et produits par les anges. Rêve, hein. C'est pas du tout un rêve, j'en suis sûr, j'ai vu. Bon, toutes les rêveries sont... Oui. Non, c'est pas une rêverie, il l'a vu. Elle était là, crac, crac, crac. Toutes les visions hallucinatoires, c'est les anges gardiens qui les produisent à travers le subconscient qu'on appelle inconscient, mais qui ne l'est pas, nous venons de le voir, c'est subconscient. Et c'est positif, car la femme, hallucinatoire ou en rêve, ou intuitivement, représente la terre, l'abondance. C'est votre ange gardien qui vous dit, tout ira bien. Rêver d'une femme, c'est toujours positif quant à la richesse. Rêver d'un homme, c'est toujours positif quant à, j'allais dire, à la religion, à la spiritualité, à l'intelligence. Et quand on rêve des deux en même temps? C'est l'intelligence et l'abondance. Ah oui, c'est bien. Donc l'ange vous donne toujours la volonté, il vous fait agir. Et à vous de compléter. Ça vous va, jeune homme? Oui, ça va très bien. C'est à vous de compléter, en tout cas. À moi de compléter? Oui. D'accord. Vous nous tenez au courant, suffit de le vouloir. Si vous la revoyez, surtout vous êtes gentil, vous nous téléphonez. D'accord. Ok. Merci, au revoir. Au revoir, surtout si elle s'appelle Madeleine, je la connais. Donc à ce moment-là, on va prendre un deuxième appel. Un autre appel. Bonsoir, votre prénom? Allô? Oui, bonsoir, votre prénom? Germaine.
Germaine, d'où nous appelez-vous ? J'appelle de Versailles. Il n'y a pas de problème, Germaine. Eh bien, j'avais plein de questions à poser, mais bon, par exemple, une question un peu naïve, devenons-nous, certains d'entre nous peut-être, des anges après la mort ? Pas après la mort, mais plus tard, oui. Nous sommes tous appelés à devenir enfin, des anges. Plus tard, c'est quand même après la mort. Hein. Non. Attendez. Voilà. Il y a un point capital que je ne peux pas débattre ici, c'est la réincarnation. Voilà, je voulais vous en parler. Voilà. Donc, ah oui, mais là, ça va être un peu short. Hein. Mais je ne peux pas vous... Non, on ne peut pas trop. On parle des anges maintenant. Avec vous. Oh là là, j'ai plein de choses à vous demander. Et les animaux, on les retrouve? Oh. Oui, on trouve les animaux. Oui. Vous avez perdu quelques animaux ? J'ai perdu beaucoup d'animaux, j'adore les animaux. Beaucoup ? Beaucoup. Vous avez oublié ? Oui. Mais non, perdu, ils sont morts. Les animaux sont régis aussi par des anges, mais c'est trop compliqué. Écoutez, vous savez ce que vous allez faire, Germaine ? Vous allez rester en ligne. Oui. On va prendre vos coordonnées en régie. C'est un amour. Et Aziel va vous rappeler, si vous voulez bien, Aziel. Oh, je vous remercie. Il vous rappellera et vous parlerez directement avec lui par téléphone. Merci, Christophe, vous êtes un amour. Je vous embrasse bien fort, Germaine. Laissez, ils sont jaloux. Si. Oui. Vous n'êtes pas d'accord ? Tout à fait. Non, ils ne sont pas d'accord. Bon, heureusement que je vous ai, Germaine. Ah oui. On vous embrasse, en tout cas. Moi aussi, je vous embrasse. Au revoir. Embrassez Germaine. Justement, avant qu'Aziel nous quitte, Aziel est catalan. Il a rencontré, comme Aziel est catalan, il a évidemment rencontré Salvador Dali. Et vous avez eu un projet, vous deux, qui est assez intéressant. Oui, on avait un projet. Enfin, il croit que le Minotaure, c'est en fait le mini taureau que nous portons en nous-mêmes, la partie de violence que nous avons en nous. Et que ça, il faut le tuer par le côté spirituel. Et il avait projeté une course de taureau où un évêque, avec la mitre et avec le bâton, la crosse, il allait tuer le taureau à cheval, un cheval assez maigre, qui représente notre animalité, il allait tuer le taureau avec la crosse. Puis, les deux inventions catalanes, que c'est l'hélicoptère, de la Sierva et le sous-marin de Montoriol de Figueras, qu'il allait prendre le taureau, le jeter à la mer et un sous-marin allait le ramasser. Mais il croyait aux anges. J'ai vécu avec lui deux jours. Voilà. Ok, pardon, excusez-moi. Merci Aziel, applaudissements pour lui en tout cas. Et on vous rappelle, il y aura tout sur le 3615 Minitel. Mais tous les livres écrits par Aziel. Et tout ce que vous voulez savoir sur les anges, je vais le montrer à Aziel. Hop. Tout ce que vous voulez savoir sur les anges, évidemment, aux éditions Bussière. Voilà, merci beaucoup, Aziel. Et vous avez une façon extrêmement chaleureuse de parler. Et on a envie, même si on n'est pas tout à fait passionné, on a envie d'y croire. Voilà. Merci, je suis confus. Merci, merci à vous. Nous allons enchaîner, Rosie. Je voudrais qu'on parle un petit peu de La Source Bleue, qui est une pièce de Pierre Laville, qui est mise en scène par Jean-Claude Brialy. Oui, absolument. Grand metteur en scène, grand comédien. Il ne fait pas ça tous les jours. Quoi, de mettre en scène ? Ouais. Non, mais il le fait bien quand il le fait. Ouais. Ouais. Avec Marina Vladi, Claude Véga, et qui est au théâtre Donau, rue Donau, je crois. Et il y a aussi Mathias Mégard, Franck Ferlot, je tiens à le dire. Allez-y, bien sûr. Et les décors sont de Pierre-Yves Leprince. Voilà, j'ai fait mon devoir, maintenant on parle de la pièce. Alors ça, c'est depuis le 20 janvier. Depuis le 20 janvier. Voilà. Depuis le 20 janvier. Le rôle de Marguerite Moreno, que vous interprétez. Oui, c'est la vie de ces deux femmes d'exception, Colette et Marguerite Moreno, Colette qui se sont connues par Marina. Marina Vladi, qui lui ressemble d'ailleurs. Dès qu'elle a la perruque de Colette. C'est hallucinant. Alors, c'est donc la vie de ces deux femmes d'exception, qui se sont connues à l'âge de 20 ans, qui ont eu un coup de foudre réciproque, et elles ont eu une aventure amoureuse très torride. Et puis, cette liaison s'est transformée en amitié passionnelle. Toute leur vie. Ouais. Elles ne se sont jamais quittées. Et ça, on ne le sait pas. On ne sait pas que Marguerite Moreno a été tellement proche de Colette. Et elles avaient des tas de choses en commun. D'abord, l'amour de la littérature, toutes les deux. Et surtout, l'amour des hommes et des hommes jeunes. À l'âge de 50 ans, elles ont rencontré toutes les deux, Colette à Paris et Marguerite Moreno dans le Lot. Elles ont rencontré chacune un garçon de 20 ans. Elles en avaient 50. Vous vous rendez compte, en 1920. Oui, ça fait. À l'époque, c'était quelque chose. Mais elles n'avaient aucun tabou. C'était des femmes d'une grande liberté. Et y compris sexuelles. Oh là là, bien sûr, toutes les gourmandises. Hein. Ah oui, oui. Oh, elles les avaient toutes. Et c'est vrai, ça. Et bon, on raconte tout ça. C'est vraiment
passionnant, vraiment. C'est, passionnant. C'est une pièce aussi sur l'amitié. Est-ce que vous avez, ben, vous, dans votre vie... L'amitié qu'elles avaient... Est-ce que vous, dans votre vie, vous avez eu ça? Ou est-ce que vous avez bien ça aujourd'hui, que quelqu'un ça. Que vous avez avec vous depuis des années mais bien sûr. Une amie très forte. Une amie qui est une comédienne aussi, et que j'aime profondément, et qui est une amie qui partage... On partage tout, comme elle. Est-ce qu'entre deux femmes, là, on va parler un peu plus, on peut parler d'amour-amitié? C'est-à-dire qu'est-ce qu'une amitié si forte, au bout des années et des années, peut être comparée, évidemment, sans acte? Mais bien sûr, on a les mêmes jalousies. Si tout à coup, elle a une amie qu'elle a l'air de me préférer, ça me fait mal. Et c'est réciproque. Bon, ça devient vraiment de l'amour, une très grande amitié. Je ne vois pas la différence. Enfin, sauf l'acte, bien sûr. Évidemment. Non, mais c'est aussi... passionnée. Vous êtes documentée sur la vie de Marguerite Moraldo? Oh, j'ai lu beaucoup de choses. Oui. Avant de jouer. C'est une femme qui avait un humour. Elle est devenue laide. Elle était très belle, vous savez, quand elle a commencé. J'ai vu des photos d'elle, ravissante, belle brune, avec des grands yeux. Et puis, elle est partie en Argentine. Elle est revenue, elle était complètement transformée. Et elle a abusé, elle a usé de cette laideur. Elle a appuyé là-dessus. Il y a même une anecdote formidable. Elle tournait un film un jour et le metteur en scène lui dit « Oh non, Moreno, bon Dieu, fais attention, tu deviens belle. » Et elle lui répond « Oh, pardonne-moi mon vieux, j'étais distraite. » C'est formidable. Elle avait un humour et elle jouait, donc elle a appuyé. Quand elle a vu qu'elle n'était plus belle, eh bien, au lieu de s'arranger, elle a appuyé là-dessus. Pour être encore moins belle. On va prendre des questions, Magnéto. C'est une formule qui a son charme. Regardez les personnes qui sont dans cet écran. Une, deux ou trois, une fille. Je ne vois pas bien d'ici. Oui. Un, deux ou trois. Ben, je vois celle qui est au milieu, c'est quoi? Deux. Voilà, deux. Bonjour. Bonjour, où avez-vous vu votre plus beau coucher de soleil? Il n'y a pas longtemps, à... comment ça s'appelle? Je sais pas, Deauville. Près Cabourg. De Biarritz. Ah, sud-ouest. Saint-Jean-de-Luz. Oui, pas loin. Pas à Saint-Jean-de-Luz, mais pas loin. Et j'ai vu un coucher de soleil absolument exceptionnel. J'en avais vu de très beaux aussi en Corse, mais là, c'était tellement inattendu dans ce site que ça m'a frappée. Un beau coucher de soleil. Oh, magnifique. Deuxième série, allons-y. Deuxième série, 4, 5 ou 6. On voit, c'est vrai que c'est tout petit. Hein. C'est quelqu'un, quelqu'un et quelqu'un. Ah, il y a un chauffeur taxi à droite. Ah, chauffeur taxi, on prend le taxi? Oui. Chauffeur taxi, c'est parti. Ah. J'aimerais savoir si, lorsque vous prenez un taxi, vous laissez un petit pourboire au chauffeur. Oh, bah, pas un petit, un gros. Je ça laisse dépend toujours du chauffeur. Des pourboires. Ça dépend du chauffeur. Non, je laisse toujours un pourboire. Même quand il est odieux? Oh, ils ne sont pas odieux. Quand on n'est pas soi-même désagréable. Ça arrive rarement. Quelquefois, ils sont. Ah oui, oh, bah, non, moi j'ai de la chance alors. Ah bon? Bah, non, je leur fais un beau sourire et puis donc ça y est, ils sont très gentils. Et on va prendre quand même une troisième série. Hein. Oui. Regardez, 7. 8 ou 9. Merci Patrice. Hein? Ouais, exact. 9. 9. Quack. Bonjour. Dans quel tenue vous sentez mieux? C'est court, ça. Et ça demande évidemment une énorme franchise et une grande sincérité. Bah, c'est dans mon lit quand j'ai rien. Je suis souvent dans mon lit. Eh ben quoi? C'est normal, je suis à l'aise. Bien sûr. Super, donc monsieur, voilà, vous voilà. Monsieur, il sait, nous aussi, nous savons. Permettez-moi de vous présenter Rosy Vard. Je rappellerai évidemment à la fin de cette émission que La Source Bleue se joue au Théâtre Donau tous les soirs, sauf le lundi, c'est ça? Sauf le mercredi, on joue le lundi. Ah, vous faites une petite tac. Bien sûr. Ah, ce qui fait que le lundi soir, comme ça, vous avez les clients. Bah, bien sûr. Bah, bien sûr. Vous avez ceux qui ne peuvent pas aller ailleurs, bien sûr. Franck Schlesinger, qui nous fait une petite revue de presse mondiale. Chaque semaine. Bonsoir, Franck. On va commencer par une information que j'ai lue dans Info Matin et qui se passe à Bali. À Bali. Il y a des chirurgiens. C'est ça? Oui, c'est ça. Il y a des chirurgiens, ils ont opéré un type qui est un ancien employé de banque et qui, c'est vrai, avait présenté dans le passé quelques troubles mentaux. Donc il avait mal au ventre, il est arrivé à l'hôpital, on lui a ouvert l'estomac et on a retiré de l'estomac deux couteaux de cuisine, un porte-clés, un couteau à beurre, une cuillère, une fourchette, un porte-clés, une brochette de bambou et quatre baguettes. Il était distrait. Quatre baguettes? Quatre baguettes. Et d'où est-ce qu'il a eu ça? Ben, on ne sait pas. Dans le ventre. Dans le ventre, dans l'estomac. Des baguettes pour manger, je suppose. Des baguettes pour manger, des baguettes de pain. Non, ça ferait beaucoup. Si, c'est lourd. Des baguettes, oui. Sinon, il y a une autre information, alors je l'ai lu dans le Daily Mail. Ça, c'est de la presse qu'on a du mal à trouver. Ah non, c'était dans l'Info Matin. Nouveau quotidien. Non, par contre, qui est bien foutu. Très bien. Hein? Très bien. On est, bien. Bien foutu, oui. Ouais. Dans le Daily Mail, on apprend que l'hôpital de Grimsby, c'est en Angleterre. Bien foutu, excusez-moi. Non. Allez-y. On parle d'Info Matin comme c'est un nouveau canard et que de temps en temps, la presse écrite a besoin d'un coup de main. C'est un bon format. Est-ce que vous le lisez régulièrement?
Quoi, celui-là? Oui, Infomatin. Ben, il vient de sortir et c'est, il est facile, je le lirai. Facile de lecture et bien foutu. Vous allez me donner celui-là. Avec plaisir. Regardez, je vous en amène. Hop, celui-là. Merci. Prégot. Voilà, donc je disais, dans le Daily Mail, on apprend que l'hôpital de Grimsby, c'est en Angleterre, a trouvé un moyen efficace de faire des économies sur son staff d'infirmières, tout en faisant plaisir aux patients. Comment? Comment? C'est vrai que quand on vient de se faire opérer, bon, parfois on a envie de parler de ses angoisses ou tout simplement de passer le temps. Alors, figurez-vous que dans cet hôpital, le nouveau compagnon des patients, c'est un chien. L'hôpital, la direction de l'hôpital a embauché un chien qui s'appelle King. Voilà. Pour tout le monde? Pour tout le monde. Et le boulot de ce chien, ça consiste à passer dans chaque chambre un petit moment, à s'asseoir au pied de chaque lit et surtout à écouter les patients lui raconter leur vie. Qu'est-ce qu'il fait alors? Ben, il écoute, il va dans chaque chambre, il se met au pied du lit. On lui parle, on lui raconte sa vie, et après il va dans la chambre suivante. Et alors il y a eu même un fan club qui a mais été créé. Mais il répond, il... Non, non, il écoute, il fait comme ça. Il fait comme ça. Il fait comme ça, il est content. C'est une chaîne de vie. C'est joli. Dans Top Secret, c'est un journal pour les adolescents, pour les jeunes. Il y a un dossier qui est consacré ce mois-ci aux histoires d'amour qui se terminent, parce que parfois les histoires d'amour... Ça se termine. Il paraît. Souvent. Il paraît. Et le journal se demande comment. Et ça ne se termine pas toujours d'enfer. Pas toujours. Donc le journal là se demande. C'est même quelquefois un sacré bordel. Parfois. Donc le journal là se demande, quand on est une jeune fille et qu'on vient de se faire plaquer, comment peut-on s'en sortir? Bon. Donc le journal donne quelques conseils. Ton petit ami t'a laissé tomber? Tu es désespéré? Voilà ce qu'il faut faire. Achète une corde. Non, attends. Toi. D'abord. D'abord, répète. 10 fois, il est parti, tant mieux. Ah, c'est plutôt de couer. Ah, ah oui, il est parti, oui. Tant mieux. Il est parti, tant mieux. Il est parti, tant mieux. Ensuite, ne commence pas à t'imaginer une magnifique réconciliation, d'ailleurs, n'imagine rien du tout. Et puis sache que pour calmer ton chagrin, le meilleur moyen est de fermer la porte de ta chambre, de mordre tes coussins si tu sens que ça te fait du bien, et de pleurer, mais attention, dit le journal, pas plus de 30 minutes. Par jour. Non, non, 30 minutes, d'un coup, de suite. Ouais. 30 minutes et basta, c'est une cure express. Intensive. 30 minutes par jour ou non, une fois 30 par minutes, toutes. Une fois. Basta, une fois par oui. Toutes. Ouais, 30 minutes, ben ça c'est cool, c'est après. Hein. Et puis dans VSD, on apprend qu'en Belgique, il existe un jeu téléphonique qui fait scandale. Alors, c'est quoi? C'est une messagerie un peu particulière, puisque les Belges peuvent maintenant et désormais martyriser leur Premier ministre. Ah oui, j'ai vu ça. Ouais. Alors pour 3 francs la minute, on peut, en pianotant sur les touches de l'appareil, rentrer chez le Premier ministre, le cambrioler, le bourrer de coups de pied. Mais comment c'est ça que j'ai pas compris? Et même l'achever en lui tirant 7 balles de revolver. Oui, mais j'ai pas compris comment ça se passe. C'est un jeu téléphonique. Ah, vidéo avec Minitel. Vidéo, oui, sûrement. Non, vous savez, parfois. C'est un jeu téléphonique. Voilà, avec ses touches. Ah ouais. Ouais. Donc on peut tout lui faire. Ouais. Voilà. Enfin, comment il s'appelle? Le Premier ministre? Bien joué. Il s'appelle Jean-Luc Dehaene. Dehaene. Oui. Dehaene. Ouais. Ouais. Bon, alors il y a une histoire dont toute la presse parle, ça se passe en Angleterre. Il y a une actrice qui est très connue, qui se promenait dans la rue avec son fiancé, dans une Land Rover, très important. Une Land Rover 4x4, donc 4 roues motrices, très important, très important. Voilà. C'est la nuit. It's the night. Elle est avec son fiancé et elle fait, comment dirais-je, une petite gentillesse à son fiancé. Pip. Gâterie. Gentillesse. Et d'un seul coup, la police arrive. Et la police, toujours malice, verbalise. Verbalise quoi? Elle verbalise. On n'a pas le droit de faire ça, c'est un attentat, tout ça. Bon, verbalise. Bon. Alors elle a dit non, j'étais en train de lui masser l'estomac et tout ça, ça se passe bien. Bon. Donc la police a verbalisé. Ah, c'est lui qui faisait une gâterie alors? Non, c'est elle qui faisait une gâterie. Et lui, il dit je lui massais l'estomac. Non, c'est elle qui dit je lui massais l'estomac. Ah oui, oui. Donc la police verbalise et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe? Elle pensait que l'affaire allait s'étouffer. Le Sun s'en empare. Le Sun délivre toutes les informations, le nom de l'actrice, qu'est-ce qu'elle a fait, où elle l'a fait, avec qui elle l'a fait. Aïe, aïe, aïe. Et ça fait un scandale énorme. C'est scandaleux, cela dit. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? C'est scandaleux, un journal comme ça qui balance tout. Oui, c'est pas fini. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah oui, ça. Elle porte plainte contre le journal. Mais elle a raison. Et elle porte plainte pour diffamation. Bon, donc il y a un procès qui est en cours. Et dans la cour du tribunal de Londres, il y a la reconstitution. Ils font venir la voiture, l'actrice, son fiancé, et les flics. Bon. Et elle, devant les jurés, elle essaye de leur montrer que, vu que c'est une Land Rover, alors donc les sièges sont quand même loin l'un de l'autre, vu qu'il y a la ceinture de sécurité, c'est compliqué c'est compliqué. Bon. Et pendant ce temps-là, il y a 2 journalistes du Sun qui, dans la même voiture, montrent que ça peut être possible. Les jurés délibèrent. Ils ont vraiment carrément rien à foutre. Les jurés délibèrent et on se dit effectivement. Elle l'a fait. Donc, ils ont produit une pièce en plus. Alors ils ont produit une pièce. Je ne sais pas comment ils se sont procurés ça. Ils sont venus avec une cassette vidéo qui se sont procurés, on ne sait pas où, qui montre l'actrice en train de mimer une gentillesse avec une bouteille de vin blanc.
Alors ils ont dit, si elle est capable de faire ça dans une soirée privée, c'est que c'est vrai. Bon. Ah, bah bien. Donc, alors finalement, c'est conclusion. Elle, hein, non, c'est pas elle. Non, non, c'est pas elle. Alors, conclusion du procès. Elle, elle est condamnée. Elle est condamnée à rembourser c'est tous les frais du procès. Elle est condamnée à rembourser, à donner des dommages et intérêts au journal, au Sun, montant de l'ardoise, 4,5 millions. Ce qui fait quand même cher la gentillesse. 4,5 millions pour 4,5 millions une pipe. J'espère que le partenaire l'a aidé à payer quand même. Ah bah attends, le partenaire, oui, il était milliardaire. Non, mais même s'il fait que la moitié, chérie, ça fait 2 millions, ça fait beaucoup. C'est quand même oui, mais enfin, il y a pas oui. C'est en or. En or. Voilà. Merci Franck. Mais je vous en prie. Bye bye Franck, la publicité immédiatement, applaudissements pour lui. On se retrouve tout de suite après avec Patrice, Rosy et tout le totem. Voilà, mesdames, messieurs, nous voici de retour pour cette dernière partie d'émission avec Rosy Vart, qui a la gentillesse de nous accompagner. Patrice, évidemment, et nous allons maintenant passer à quelque chose d'extrêmement physique. Physique, qui revient vraiment à la mode, c'est les danses, ce qu'on appelle les danses du soleil. Vous savez, il y a la rumba, le mamba, et il y a le cha-cha-cha. Avez-vous dansé beaucoup tout au long de votre vie? Est-ce que vous étiez à match? J'aimais bien la danse, mais je ne sais pas danser toutes ces danses-là. Mais quand vous étiez le tango, je pourrais le danser. Quand vous alliez à des fêtes, est-ce que vous dansiez un petit peu, un petit peu, mais j'oserais pas me produire maintenant, hein. Non, moi non plus. On va parler du cha-cha-cha et on va accueillir Raym Rodgers qui a dansé dans West Side Story. West Side Story. Et puis qui a allez, vas-y. Fait des chorégraphies avec Frank Sinatra, avec Dean Martin et avec Michael Jackson. Applaudissements, mesdames, messieurs. Bonjour. 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 Raym Rodgers. C'est vous. Bonjour. Hein? Alors, quelle est la particularité du... C'est très difficile à danser, le cha-cha-cha. Très difficile. Non, c'est difficile. Non, difficile. C'est une danse cubaine, hein, alors. Bon, okay. Attends. Comme ça. Uno. No. Do. Do. Passi. Passi. One. Ça? Two. One, two, three. One, two, three. One. Oh là là, ouais, non. Two. Oh là là, ouais, non, c'est injouable. Encore, oui. Un. Tiens. Two. Two. One, two. Ah, c'est vrai. Montrez avec la jeune fille. Ben. Show us with. Show us with the girl. You do it. Ready? One. On dit ça, non. Venez. Oui. Cha-cha-cha. Oui, bien sûr. Gauche. Ah, voilà. OK. Non. Je reviens. Cha-cha-cha. OK, on y va. Hop. Au milieu. Patrice. C'est facile. Oui. Madame.
Allez. Tu vas le donner? Je tourne. Là. Tourne, tourne. D'accord. Allez, oui, on peut tourner comme vous. C'est un vrai boulot. Un vrai boulot. Applaudissements, mesdames, messieurs, pour Patrice qui n'arrête pas. Patrice ne se calme pas. Si on veut apprendre à danser. On peut aller dans un bal école, dans l'école de Paris-Centre. On a les coordonnées 3615 TF1. Hein. Bien sûr, où on pourra danser avec ces jeunes filles et ces hommes. Alors, Rosy, c'était... Oh, c'est fabuleux. Hein? Ça y est. Les doigts dans le nez. Je danse très bien. Ben oui, saviez. Parfaitement bien. Merci en tout cas à vous. Merci beaucoup. Merci si vous voulez les coordonnées de cette école, 3615. Merci, mademoiselle, votre prénom. Chris Lord. Et mademoiselle Morgane. Merci Morgane, merci Chris Lord. Au revoir les garçons, merci beaucoup. Patrice. Le ni oui ni non. Avec le ni oui ni non, oui, non. C'est facile. C'est facile en fait. Bah, vous voyez, suffit de s'y mettre. Suffit de se laisser. C'est rien. Ah, vous étiez bien accroché, vous. Hein, oui. Hein. Au début, j'ai eu du mal, et puis après, alors, après, il s'est passé quelque chose. Un déclic. Je ne sais quoi. Le ni oui ni non, chaque vendredi, vous le savez, nous téléphonons à des gendarmeries pour leur donner la possibilité de gagner un filet garni. Première gendarmerie aujourd'hui, de quoi s'agit-il? Patrice, laquelle? Alors, c'est peut-être Bonneville, non? Gendarmerie de... Bonneville. Autoroute. BRI, ça veut dire quoi? Brigade régionale routière. Un siège effreux de Bonneville. De Bonneville. 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 Gendarmerie d'autoroute, c'est ça? Oui. De Bonneville. Oui. Bonjour monsieur de Chavannes à l'appareil, coucou c'est nous. J'ai avec moi Rosy Vart. Bonjour. J'ai avec moi Rosy Vart et avec moi Patrice Carmouze également. Bonsoir. Voulez-vous monsieur faire un ni oui ni non et avec l'éventualité de si vous gagnez de remporter un filet garni si je parle bien français? Oui. Oui, vous jouez vous-même? Moi-même. Ok, on ne prend pas la ligne, il n'y a pas de souci, on peut démarrer maintenant? On peut démarrer maintenant. D'accord, donc à partir de maintenant vous avez le droit de dire ni oui ni... Eh ben voilà. Voilà, c'est très bien. Quel est votre prénom? Pascal. Pascal, vous avez des enfants? J'ai deux enfants. Deux enfants, un garçon et une fille? Deux garçons. Deux garçons. Deux garçons? Effectivement, deux garçons. Effectivement. Rosy Vart, une question? Non. Dites-moi, est-ce que vous voulez avoir d'autres enfants? J'aimerais bien, effectivement, avoir d'autres enfants. Ah oui. Et votre femme est d'accord? Et malheureusement, elle n'est pas trop d'accord. Il est trop fort. Hein. Oui, il est fort, il est assez fort. Patrice? Vous êtes gendarme titulaire, vous? Titulaire. À moto ou en voiture ou dans les bureaux? Eh bien, dans les bureaux et en voiture. Vous et êtes voiture. Nombreux? Pardon? Vous êtes nombreux dans le bureau? N'importe quoi. Actuellement, je suis tout seul. Ah là, vous êtes seul? Là, vous dérangez personne, alors, donc? Oh, ben, il y a la radio. Ah oui, il y a la radio. Et qu'est-ce que vous écoutez comme station? Comme station de radio? Oui. Nostalgie. Ah, Nostalgie, vous écoutez... Et rien d'autre? Et quel autre? Vous n'écoutez pas, je sais pas, Europe 1, RTL? Absolument pas. Vous avez gagné. Ah, il est fort, hein? Ouais, ouais. Très fort. Il a gagné, alors rappelez-moi votre prénom, jeune homme. Pascal. Pascal. Alors, il a déjà permis... Il a déjà, vous avez déjà permis de gagner à la gendarmerie de Bonneville, d'autoroute de Bonneville, de gagner un téléviseur. Qui suit de 71 cm, coin carré, palsé cam stéréo. Eh bien, c'est gentil. Donc voilà. Et mais c'est pas fini, Pascal. Non. Ah bon? Parce que là, est-ce que vous aimez les voyages? J'adore les voyages. Bah écoutez, ça tombe bien, vous avez une femme en plus, nous avez-vous dit? Et j'ai une femme. Alors, dès que Rosy. Alors, écoutez vous... bien. Oui. Nous vous offrons un séjour pour deux personnes avec rêve vacances au bord de la mer Rouge. Oh, c'est pas vrai. Et mais c'est... oui. Et alors... vous serez logé à l'hôtel Al Mashrabia oui. De Hurghada. Hurghada. De Hurghada. Le paradis des sports nautiques et de la photographie sous-marine. Oh, c'est super. Vous profiterez des deux piscines d'eau de mer. Vous pourrez pratiquer la baignade et la plongée sous-marine dans les eaux limpides de la mer Rouge. Oh, c'est génial. Magnifique, hein? Super. Non, non, très bien. Non, non, non. Voilà, donc vous serez gentil de nous envoyer une carte postale dès que vous y serez. Hein? Je crois qu'il y a plusieurs prestations aux 24 heures de Chamonix sur glace. Là. Excusez-nous, répétez-nous ça. J'ai vu vos prestations aux 24 heures de Chamonix sur glace. Là. Ah oui, c'est gentil, c'était bien. Bah, c'était bien, oui. Bon, vous voyez que c'était bien. C'était bien. Écoutez, amusez-vous bien en tout cas et nos amitiés à la gendarmerie de Bonneville. Eh bien, je vous remercie au nom de la gendarmerie et puis... Et puis vous aurez le téléviseur qui arrivera incessamment avec les billets d'avion pour vous. Eh ben c'est super sympa. Et puis merci pour gendarmerie. Et puis votre émission est vraiment géniale. Eh ben pourvu que ça dure. Eh bien merci. Merci, au revoir, bye bye. Bonne soirée. Patrice, quelques objets. Quelques objets. Oh, doucement.
Ça, c'est dangereux. Ah oui, ça, c'est dangereux. Ah, hein? J'adore ce moment de l'émission. Ouais, mais ouais. Sauf que quelquefois, ça peut tourner ça, mal. C'est, donc, ça, vous avez vu, c'est dangereux. C'est inquiéteur, ouais. Vous êtes cinglé. Et regardez avec ça. Non, attends, non, ça coupe d'enfer, Patrice. Vous avez essayé ou pas? C'est vrai. Non, mais il paraît qu'on risque rien. Si. Non, faites ça comme ça. Sans passage, j'en parie. Attendez, essayez. C'est ridicule. Vous allez voir. Mais c'est bête ce que vous faites. Mais oui, c'est bête, arrête. Mais. Le gant Spectra. Ouais. Mesdames, messieurs. Le gant Spectra. Non, formidable. Sérieux? Sérieux. Faites attention quand même, mais. C'est peut... étonnant. Hein. C'est étonnant. Là. Ça permet de travailler sans risque. L'aiguille, le couteau, ça supporte environ 100 passages sans être altéré. Il protège. Non. Des allergies au latex, il permet une grande dextérité de la peau. C'est parce que c'est vrai qu'on peut bouger. Ah oui, super le gant, parce que même une fiche, ça résiste. Quoi? Bah tiens, regarde. J'ai appuyé fort, hein. Attendez. Ouais, non. Ah oui, bah oui. Attendez, la même chose. Rien. Non, rien. Non. Et cela dit, ça... non, il coupe, hein. Ouais. Ah si. Ouais, enfin si vous le faites avec un œuf, faites vraiment gaffe quoi. Alors avec un œuf. Non, avec un œuf, pas un œuf, un œuf. Un... Ah. Avec un œuf, ça n'a rien à voir. Ah bah oui, j'en ai un. Hein. Alors. Mais non, parce que maintenant avec un œuf. Parce qu'avec un œuf, vous avez toujours des problèmes. Le problème du. Oui. De la coque. Oui. C'est le coquetier. Hein. Oui. D'où l'invention. Regardez. De ce joli coquetier. Ce joli coquetier, c'est le coquetier incassable, qui n'est pas du tout fragile, parce que le coquetier en porcelaine se casse. Ouais. Et celui-là, allez le casser. Ah oui, impossible. Oui, c'est-à-dire que oui. En plus, il est joli. C'est un prototype. C'est M. Bretineau qui a inventé ça. On ne va pas l'escanter, alors. Et non, il ne faut pas l'escanter, parce que M. Bretineau, il n'a pas inventé que ça. Ah. De couper aussi le... L'ennui de l'œuf dur, oui. Qu'est-ce que c'est? C'est qu'il est dur. C'est non seulement qu'il est dur, c'est que ça casse dans l'eau. Un œuf dur? Quand on le fait chauffer? Non, c'est l'œuf coq. Il suffit que vous mettiez un petit peu de sel dans l'eau. Ou du vinaigre. Mais regardez, avec ça, vous mettez l'œuf là. Allez-y, Patrice, allez-y. L'œuf ici. Ça, c'est pour après. Et ils sont coqs, ceux-là? Ça, c'est pour après. Et après, on plonge. Il a l'air de nager dans son truc. Non, Patrice, c'est pas comme ça. Il faut planter le bâton. Là. Là, voilà. Et alors, vous mettez après... ça dans l'eau. Ah, voilà. Ah, ben voilà. Et ça ne risque pas de se casser. Ben non, parce que c'est... Vous voyez un truc. Alors. L'ennui des briques, comme ça, toujours M. Bretineau, qui est inventeur, qui a gagné au Salon du Grand Bornand. Ah, ça, c'est monsieur et madame Porfir la vaisselle. Oui. Ils ont un fils. Et alors? Vladimir. Vladimir pour faire la vaisselle. Et alors? Qu'est-ce qu'il a inventé? On va couper, vite, Patrice. Qu'est-ce qu'il a inventé? Il a inventé, M. Bretineau, ça, avec une aiguille. Donc, vous rentrez votre truc dedans. Vous voyez? Vas-y. C'est non finalisé, hein, comme... Mais regardez, c'est bien. Et ça sert à quoi? Et c'est pour les marlingots, vous voyez? Oui, mais qu'est-ce que... Bah, parce que sinon, c'est... Vite, pour le fait que vous en mettez partout. D'accord, Patrice. C'est un petit là, vous en mettez juste pas partout. Un entonnoir à Berlin. Ah, d'accord. Merci. Je vous rappelle que, mesdames, messieurs... C'est le salon du Grand Bornand. Ah, le salon du Grand Bornand, bravo. Je vous rappelle que notre camarade Rosy Barthes est sur scène tous les soirs, y compris le lundi. Entre nous. Oui, pour la Source Bleue. Merci mille fois, Rosy Barthes. Passez une bonne soirée. Lundi, Ludmila Mickaël. Passez un bon week-end. Sortez couverts. Soyez prudents. Au revoir.